vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Un atelier à Nouakchott, planche sur l'étendue de l'application du dispositif juridique de lutte contre le travail forcé et l'esclavage en Mauritanie. Entame de la campagne d'adhésion pour l'année 2018 à l'association mauritanienne de femmes journalistes qui indique avoir atteint plus de 500 membres. Manifestation d'un mouvement estudiantin contre ce qu'ils appellent la dégradation des services universitaires, notamment le transport, le restaurant et l'absence de logement. Bonsoir, merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Organisation donc à Nouakchott d'un atelier par la Confédération syndicale internationale et ses partenaires en Mauritanie, à savoir l'Union des travailleurs de Mauritanie, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, la Confédération nationale des travailleurs de Mauritanie et la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail forcé en Mauritanie, selon Samori Ulboye, secrétaire général de la CLTM. Ulboye affirme que cet événement vient en réponse aux recommandations du Bureau international du travail portant sur le suivi de l'application des tests en vigueur dans le pays en matière de lutte contre l'esclavage et le travail forcé. Pour ce faire, une mission du Bureau international du travail arrivera à Nouakchott. C'est pour préparer les organisations syndicales mauritaniennes à travailler de concert avec une mission du BIT qui sera là en avril 2018 au sujet de l'application de la loi portant sur l'esclavage et le travail forcé que cet atelier de deux jours est organisé. Explication de Mamadou Diallo, secrétaire général adjoint de la mission de la Confédération syndicale internationale qui précise la mission. Écoutons-le. C'est une procédure normale. Ce n'est pas simplement appliqué pour votre pays, c'est appliqué pour tous les pays, tous les autres pays dont les cas ont été discutés lors de la conférence internationale du travail qui se tient chaque année au mois de juin à Genève. Et le gouvernement mauritanien aussi est resté assez ouvert pour accepter que cette mission du BIT puisse avoir lieu comme je l'ai indiqué. Et étant donné d'ailleurs que cette mission s'intéressera à l'ensemble aussi des partenaires sociaux, il est tout à fait normal qu'à notre niveau en tant qu'organisation syndicale, nous puissions également nous préparer pour que quand la mission sera là, nous ayons aussi à notre disposition des documents, des idées que nous souhaitons partager avec la mission. Annonce par les femmes journalistes de Mauritanie de l'ouverture de l'accès aux femmes professionnelles de la presse qui le désirent d'adhérer à leur association au titre de l'année 2018. La structure affirme avoir distribué à ce jour pas moins de 500 cartes d'adhérents à travers le pays selon les organisatrices. Cette campagne d'adhésion vise à mettre en place des délégués au sein des institutions de presse et à créer des clubs et regroupements professionnels reflétant les diverses spécialités au sein de la presse mauritanienne. Anissa Ba. La dite campagne qui vise à enrôler tous les acteurs de la gente féminine exerçant dans le secteur de la presse et ses différentes filiations est prévue pour s'entendre sur une période de mois ferme à partir du jour officiel de son déclenchement qui est ce dimanche 7 janvier en cours au 7 février à venir. Les opérations d'enrôlement des femmes de médias se dérouleront
dans tous les établissements publics et privés, au sein des structures qui abritent les chaînes privées ainsi que dans l'enceinte du siège central de l'association. Des commissions seront également érigées dans les points qui hébergent une activité de presse pour l'enregistrement éventuel des adhérents. Les directions des institutions, notamment l'Agence mauritanienne d'information, la radio et la télévision nationale, seront également mises à contribution et compteront parmi les points d'inscription en vue des adhésions. Ce programme comporte une particularité que prend soin de nous souligner l'une des meneuses de cette initiative inédite. Les adhésions aussi sont ouvertes aux personnes, ressources ou acteurs autres que la presse, veillant être des personnalités de référence pouvant participer au développement de l'Union des femmes des médias dans tous les secteurs de la presse et de la culture. Le cardinal qui soutient cet engagement. L'Union des femmes des médias veut, à la fin de cette campagne, pouvoir planifier ses activités et créer des clubs spécialisés dans les différents secteurs de la presse afin de promouvoir la femme dans le secteur vital des médias. L'initiative doit probablement s'inscrire dans cet élan d'émancipation de la femme tout azimut qui encense en ce moment la sphère professionnelle féminine arabo-africaine jusqu'au Moyen-Orient. L'Union nationale des étudiants de Mauritanie a organisé ce lundi 8 janvier un meeting devant le siège de la direction au Centre national des services universitaires en protestation contre la dégradation des services universitaires et particulièrement le transport, le restaurant universitaire et l'absence de logement pour les étudiants. Outre la réduction du montant des bourses, les étudiants de médecine recevant des bourses diminuées de 10 500 guyas par étudiant, le responsable des relations extérieures du bureau exécutif, Mustapha Sidi, assure que la bourse allouée aux étudiants ne couvre guère les frais nécessaires à l'acquisition des fournitures médicales et sa diminution aggrave le problème, dénonçant la détérioration de la qualité des services du transport et déplorant l'absence de foyers pour les étudiants. Organisation ce dimanche à Nouakchott d'une session débat par la Maison de la Sagesse pour la culture et le dialogue portant sur les relations diplomatiques de la Mauritanie à la lumière de la crise du Golfe et la rupture des relations diplomatiques de la Mauritanie avec le Qatar. Y ont pris part des intellectuels et des politiques, l'écrivain et chercheur Sidamar Oulcherna, affirme à ce sujet que les décisions de rupture des relations diplomatiques par la Mauritanie avec le Qatar est bien légère, qualifiant la mesure d'injuste et d'incompréhensible. Abdessamad Oumbarek indique pour sa part que cette décision n'est pas une surprise relevant, dit-il, d'un cadre de concertation juridique arabe commun auquel la Mauritanie appartient et s'y attache. Oumbarek ajoute lors d'une session organisée à Nouakchott que la Mauritanie a justifié cette rupture de ses relations avec le Qatar par la politique suivie par ce pays qui soutient des organisations terroristes et s'emploie à compromettre la sécurité et la stabilité dans les pays arabes comme dans le monde. Le gouvernement sénégalais a promis dimanche de ne ménager aucun effort pour arrêter les responsables du massacre de 13 hommes ce week-end dans une forêt de Casamance, région du sud du Sénégal, en proie à une rébellion depuis 35 ans, mais qui avait connu une accalmie depuis plusieurs années. Une traque rude et sans répit sera menée pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble. Nous irons jusqu'au bout de l'enquête pour traquer et identifier les auteurs, a déclaré à Jigenshor, principale ville de la région, le ministre de l'Intérieur sénégalais, Ali Ngoy Ndiaye. Plus de détails avec Fofana Issa.
Tête d'une délégation de hauts responsables politiques et militaires, le ministre de l'Intérieur s'est rendu au chevet des blessés, une demi-douzaine, à l'hôpital de la ville, chef-lieu de cette province agricole et touristique frontalière de la Guinée-Bissau et séparée du reste du Sénégal par la Gambie. Dès qu'il a eu l'information, il a réuni le conseil de sécurité et nous a demandé de venir en urgence. D'abord voir l'état des malades et présenter les condoléances. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà ici dénombré au niveau donc de ce quartier et des environs 8 familles de victimes sont venues présenter les condoléances du chef de l'État, présenter les condoléances donc de la nation. Nous avions avec le chef de l'État pris beaucoup d'initiatives pour amener la paix dans cette partie du Sénégal. Et ce n'est pas avec cet incident qu'il va falloir reculer. Nous allons toujours continuer. Le président l'a dit, il a fait son dernier appel, c'était déjà le 31 décembre. Nous allons quand même continuer pour que la paix revienne définitivement dans cette partie. Depuis ce samedi, une compagnie de quelques 150 parachutistes de l'armée sénégalaise fouille la région, selon un porte-parole de l'armée, le colonel Abdoun Diaye. L'attaque s'est produite samedi dans la forêt des Borofaï, dans la commune de Boutoupa, Kamarakunda, lorsque des jeunes partis chercher du bois mort ont été surpris par une bande d'hommes armés. Selon le gouvernement, elle a occasionné la mort de 13 jeunes hommes, dont 10 par balle, 2 par arme blanche et un brûlé, et une demi-douzaine de blessés, dont les plus touchés vont être transférés à Dakar. Pendant plusieurs heures, le groupe armé qui n'a pas été identifié a arrêté les hommes cherchant du bois et les a réunis avant de les abattre froidement, selon le récit à l'AFP de plusieurs rescapés. Ils les ont couchés à plat ventre et ont commencé à tirer. Des personnes blessées cherchant à s'enfuir auraient été achevées. Ce massacre, qui a surpris les observateurs, met à l'épreuve le processus de paix en Casamance, relancé en octobre lors d'une réunion à Rome entre le gouvernement et une faction du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, mandaté par l'un de ses chefs, Salif Sadio. L'attaque est survenue au lendemain de la libération par l'armée de 2 combattants du MFDC divisés en factions rivales, notamment celle de Salif Sadio du Front Nord, à laquelle il appartiendrait, et celle de César Atouté Badiaté, qui dirige le Front Sud. Pour le député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, les responsables sont peut-être des personnes pas pleinement associées au processus de paix et qui n'ont pas apprécié les derniers développements. Tandis que Dr Mohamed Issar El Kanti affirme que les relations extérieures de la Mauritanie sont assujetties aux aides accordées par les pays tiers, qualifiant de non démocratique le régime de Qatar, lors d'une session sur les relations arabes de la Mauritanie à la lumière de la crise du Golfe, El Kanti ajoute que le printemps arabe n'était pas démocratique et que le mouvement islamiste n'a jamais été le fer de lance des causes démocratiques. Mohamed Jemil Oul Mansour, ancien président du Rassemblement national pour la démocratie et le développement, RNRD en français, Tawassoul en arabe, affirme que la rupture des relations avec n'importe quel pays doit être précédée de mesures graduelles. L'expression de sa désapprobation, la convocation de l'ambassadeur pour concertation, gèle des relations avec la rupture. Oul Mansour a tenu ses propos lors d'une session organisée à Nouakchott par le forum 10 maisons de la sagesse pour la culture, la pensée et le dialogue portant sur les relations arabes de la Mauritanie à la lumière de la crise du Golfe. Un ordre administratif émis par le ministère israélien de la Sécurité rend définitive une décision prise fin juin 2017 considérant le Fonds national palestinien comme structure terroriste. Une mesure que les Palestiniens rejettent, affirmant qu'elle s'inscrit plutôt dans le cadre de la campagne de sape des intérêts de la Palestine, ayant pour seul but d'en priver les citoyens de leurs droits les plus fondamentaux, dans la mesure où leurs moyens de subsistance, à savoir les salaires, sont menacés. Mohamed Yahya Abdelwedoud. Le ministère israélien de la Sécurité assure que l'ordre administratif temporaire émis le 28 juin 2017, qualifiant le Fonds national palestinien d'organisation terroriste
est avéré et permanent. À ce sujet, Hana Amera, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, recuse la décision israélienne, la qualifiant de provocation et de chantage, s'inscrivant, dit-il, dans le cadre de la décision d'Israël et des États-Unis ciblant l'autorité nationale de l'organisation via la saisie des fonds et le gel de l'aide destinée à l'Agence de secours et d'emploi des réfugiés palestiniens, ajoutant que la politique générale israélienne vise à resserrer les taux et à accentuer la pression sur l'OLP en vue de faire fléchir la direction palestinienne dans la mesure où l'occupation a d'ores et déjà, rappelle-t-il, appliqué la dite décision aux banques, rendant permanente une décision annoncée il y a un mois comme temporaire. Amera affirme que le fonds est considéré comme l'argent de l'Organisation de libération de la Palestine, espérant que cette décision de l'entité sioniste n'aboutisse pas à multiplier les couacs dans les activités du fonds en dépit des nombreuses difficultés auxquelles ce dernier fait face. Hana Amera a dit que cette décision aura des répercussions négatives tant sur les transactions bancaires entre le Fonds national dont le siège se trouve à Amman en Jordanie et les banques situées en Cisjordanie que sur les fonctionnaires dépendants de l'OLP qui reçoivent leur salaire du fonds en question. Amera a fait part de ses craintes que le fonds ne subisse des pressions internationales via l'empêchement du transfert des fonds et de l'attribution de dons à cette structure, notamment de la part des pays arabes dont les dons atteignent 50% des salaires des fonctionnaires palestiniens via le Fonds national, conformément à une mesure en cours depuis des années au sein de la plupart des pays arabes. Hana Amera dit que la décision en question touchera de nombreuses institutions palestiniennes en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, mais surtout à El Quds particulièrement, aussi bien celles qui ont été fermées que celles en activité telles que Beit Sharq et l'Association d'études arabes. Amera conclut enfin que cette décision et d'autres abusives et provocatrices prises par l'occupation sioniste seront à l'ordre du jour des prochaines réunions du comité exécutif de l'OLP. Nous sommes à la fin de cette édition. Le rappel des titres. Un atelier à Nouakchott lance l'étendue de l'application du dispositif juridique de lutte contre le travail forcé et l'esclavage en Mauritanie. Entame de la campagne d'adhésion pour l'année 2018 à l'association mauritanienne des femmes journalistes qui indique avoir atteint plus de 500 membres. Manifestation d'un mouvement estudiantin contre ce qu'il appelle la dégradation des services universitaires, notamment le transport, le restaurant et l'absence de logement. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente suite de programme. Sur El Mourabitoun, vous pouvez suivre nos éditions sur notre page Facebook dans l'adresse appareil à l'écran.